Et salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode de... Ça doit être l'épisode 11. Ouais, non, j'ai vraiment pas le compte des épisodes. Bon. Bref, ça doit être l'épisode 11, d'après moi. Sûrement. Ok, donc, l'épisode 11 de l'espèce de Reden Eternal. En train d'essayer de battre un voleur. Vers le 15. Comme vous avez pu voir, j'ai fini les quêtes les quêtes de la série quête. Et normalement on va avoir la quête pour le donjon très bientôt. Non, même ça va pas être la prochaine. Je l'ai pas eu. Ok, titre général. Répète, une répète. Ça, c'est des répètes aussi. J'aurais fini les quatre de bébé Luga. Mais j'ai pas fait le danger encore. On va aller voir un gueule. Non. On va aller voir. On va aller voir qui. On va aller voir Roti. Lui, il vaut 25. Bientôt, on va pouvoir lui mettre les l'arme. Alors, j'ai eu ça, c'est meilleur que ce que j'ai. Voilà. Il va falloir que j'aille vendre tous mes trucs un jour ou l'autre. Je vais tout le temps nu à jouer à Bébé Luga. Ouais. Je viens de remarquer. En fait, c'est plutôt rare que je regarde le ciel dans les jeux vidéo, donc. À part quand il y a quelque chose qui me dit qu'il faut aller que je regarde le ciel, là. Mais d'habitude, je m'amuse pas à regarder le ciel, je regarde plus les ennemis. Bon. On est niveau 32. D'accord. D'accord. Si tu veux. Et là, on a la quête du donjon. Ouais. Je vais lui vendre mes affaires, tant qu'à faire. Il s'arrive. Et voilà. Alors, on va faire le donjon. C'est parti. Faut que j'aie informé Uticel de ma progression. Ouais. Voilà. Ok. En même temps, je vais passer un peu de temps. Je vais vous expliquer un peu, sûrement que vous connaissez déjà ça, mais peut-être aussi que vous connaissez pas. Elle a amélioré ici, si vous cliquez dessus. Et vous mettez, mettons, moi je vais mettre mon arme. Ça va faire comme d'expérience pour votre personnage, mais ça va faire de l'expérience. En fait, plus vous allez frapper, mettons, plus ça va augmenter l'expérience. Puis vous allez monter de niveau avec. Puis mettons, moi je vais choisir attaque magique, guérison générale, et
d'autres critiques magiques. Donc, à chaque niveau, il y a la compétence. Les compétences vont être améliorées, puis ça va tout le temps être la première compétence qui aura le plus de chances d'être améliorée, ensuite la deuxième et ensuite la troisième. Alors, bon, voilà. Ensuite, voilà. Donc moi, j'ai amélioré ça, mais on peut juste mettre un objet à la fois à améliorer. Donc voilà, je vais vous montrer un peu. Là, vous avez est à 0 d'expérience. Et si on bat les anges ici, elle est à 14 d'expérience sur 225 ou 6,22%. Et du niveau 25. Et déjà niveau 5. Ok. Donc vous voyez tout en bas de la description, c'est écrit niveau d'amélioration de l'arme 5. Et c'est écrit attaque magique plus 10,61, guérison générale plus 0,90 et taux de critique magique plus 1,18. Donc c'est ça que j'ai amélioré. Ok, il y avait. Ah, ok. J'étais sûre qu'il y avait plus d'engelés. Et je trouvais ça bizarre qu'elle n'arrivait pas. Et vous voyez, si je reviens encore, elle est rendue niveau 6. Et vous avez aussi ici, mettons, attaque plus 15,81. En tout cas, si les stats sont écrits ici. Et alors, il faut aller parler à Uticel. Maintenant, il faut battre les boss. Battre deux des trois boss. Enfin. Pour le prochain épisode, je devrais être en compagnie de Yuko. Mais pour cet épisode, je suis toute seule. Malheureusement. Je commence à avoir des nouvelles passions. Alors, je vais les mettre ici tout de suite. Voilà. Oups. Épéiste virlequin. Hache mousseuse, il est supposé être là, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Mais ça, dans ce donjon-là, pour chaque boss, il y a un truc spécial à faire. Peut-être pour. Non, il y en a un. Je crois que c'est Kedar. Ouais, à part pour Kedar, il faut tout faire un truc spécial. Comme par exemple pour Hache mousseuse, je crois qu'il faut pas toutes les. Les petits troupeaux comme ça des gens ici. Et pour l'autre, je me souviens même plus c'est quoi de son nom, l'autre qu'on a pas dans dans les quêtes ici, faut battre toutes les angelées. Je vous montrerai c'est où. Bon, mon équipement il est pas très top, ça me protège pas énormément, mais on monte tellement souvent de niveau que ouais, ça vaut même pas la peine de l'améliorer. Que on reçoit un autre équipement encore meilleur. J'ai monté de niveau. Voilà. Et mon point il va dans ça. Donc comme je le dis souvent en fait, je prends même pas la peine d'améliorer mon équipement ou d'en crafter parce qu'on monte tellement rapidement de niveau qu'on n'a pas le temps en fait de l'améliorer énormément. Mais quand je vais commencer à galérer un peu plus à monter de niveau, j'aime vraiment m'améliorer mon équipement. Parce qu'en plus, ça va valoir plus la peine. Là, j'ai juste à me soigner, puis ça va. Mais plus tard, si j'améliore pas mon équipement, je vais avoir de la misère à rester en vie. Alors, on va faire ça rapidement. Un petit groupe de personnes. C'est dur à régler en fait le son.
parce que moi c'est dans mes oreilles en ce moment, c'est assez fort quand même. Mais je parie que vous allez même pas l'entendre. Ouais, faut que je fasse des tests à un moment donné. Ici, il va y avoir. Je sais pas. Non, il va pas avoir de boss ici. Non. Je sais pas ce qu'il y a ici. Bref. On a reçu un anneau. Un anneau. Voilà. Ah, mon famille a monté au niveau 26. Ça, c'est sympathique. Alors, on va aller battre Kedor, ce qui est juste ici. Ça va être le plus rapide à battre, lui, parce qu'il faut pas tout battre à gros montant de monde. Alors. Je dis beaucoup alors, et donc. Ah, je sais pas ce que ça fait ça, mais c'est pas bien. Sûrement pas en tout cas. Ça c'est quoi? J'ai. Ah non. Ah ben je l'ai battu. Ah, il m'a donné des parchemins de puissance. Yeah! Bonjour, c'est Belle. Il y a mon petit chat qui est venu à côté de moi. C'est moi. J'ai deux chats. Il y en a un qui est pas peureux, puis il y en a un qui est, ben c'est Bill, il est hyper peureux. Alors c'est rare qu'il vienne nous voir. Et là je suis contente parce qu'il est venu. Les combats sont pas très épiques parce que bah, c'est des combats, hein, c'est. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à commenter. Donc, bah, je remplis avec des tranches de vie. Par exemple que cet après-midi, ce matin, je suis allée à Homer Dessert. Homer Dessert, c'est un magasin de, je sais pas s'il y en a en France, peut-être. En tout cas, c'est un magasin de d'or. Ah voilà, je peux aller battre ma chemousseuse. Et j'ai acheté des crayons. Voilà, c'était une tranche de vie. Non, c'est juste qu'il faut que je remplisse. Il y a beaucoup de monde ici. Bon, si je mourais, ça serait plate. Ça serait triste. Mais de notre côté, je me rapprocherais plus de H mousseuse. Non, c'est pas une bonne façon de penser.
Vous voyez, c'est celle-là qu'il va falloir que... Oh, je peux bien les battre tout de suite. Ouais, je les batte tout de suite, tant qu'à faire. J'aurai juste à aller battre le boss. Comme ça, tout à l'heure. Lui, il m'a donné une épée. Mais j'utilise pas d'épée, donc j'en ai pas besoin. Ah, j'ai monté de niveau. Ça se peut-tu? Ouais, j'ai monté de niveau. Oui, je fais ça pendant les combats, moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok. Voilà. Celles-là sont un peu plus dures à battre, mais rien de phénoménal non plus. Et plus que deux. Là. Moi, je les prends les deux en même temps. Parce que c'est comme ça. C'est ça la vie. Et voilà. Donc, je vais aller battre Ashmosa, je vais confirmer ma quête. Et je vais prendre d'autres quêtes d'après. Et je vais aller boire Charles. Ok, son nom c'est Charles. C'est pas un nom de boss là, mais. Oui, pourquoi pas. J'aurais pas appelé un boss comme ça, mais. Pourquoi pas. Et mon familier a monté niveau 27. Voilà. J'ai reçu des bottes légères. Et une robe. De protection. Et voilà. C'est par là. Normalement, il est apparu. Ici. Ouais. Alors, je vais juste battre les deux magiciens avant. Et je vais reprendre du mana un peu. Non, elle va être assez facile à battre, là, j'ai même pas besoin. Quoique. Invocation. Ok, s'il fait une invocation, faut qu'on s'en aille. Parce que c'est pas cool. Le broken. Eh bien. Et voilà. Bon, on va aller parler à U. Oh, c'est Ulyssiel. Non, je suis sûre que c'était Uticiel. Bon, bah. Pardon. J'ai déformé ton nom. Voilà, et battre Charles. Il est là. Je crois que si on par là, c'est plus rapide, n'est-ce pas, tu? Sûrement. Ou pas. Non, oui, c'est plus rapide. Et voilà. En bas les marins et Charles.
pas très dur à battre un boss. Pour un boss, mais bon. Non, tu fais pas ton évocation. Ça se fait pas. Alors, on sort du donjon. Et ça fait 20 minutes. Ouais, ça fait déjà 20 minutes quand on trie. Ça passe vite. Ça passe trop vite. Dominic, il est où? Il est là-bas. Allez. Non, pas de suite. Je vais vendre mes affaires. Alors, ça j'en ai pas besoin, pas de besoin. Pas de besoin. Et pas de besoin. Voilà. Non, ça. Et on y va. On va voir Dominic. Puis Strahl, Eustrahl. C'est une fille ou un gars Strahl? Je sais pas. On va bien voir. C'est un gars. Ah, c'est le capitaine de garnison. D'accord. Et voilà. Je parie qu'on n'a pas eu de titre. Est-ce qu'il y a des quêtes que j'ai pas encore faites? Non. Non, il y a plus de quêtes que j'ai pas faites. Alors, ouais. Pendant que je vais à Bourbe, je vais déjà vous dire à la prochaine parce que. Oh non, j'ai encore manqué mon. Oh, faut vraiment que je fasse mes trucs mieux. Mes fins est mieux. Alors, je recommence. Ça va être la fin de l'épisode. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle est un peu plus courte que d'habitude. Ou non, peut-être pas. Enfin, je sais pas si elle est plus courte ou. En tout cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner à ma chaîne, commenter, aimer la vidéo. Vous abonner à mon Twitter et à mon Facebook. J'ai totalement dit ça dans le désordre, mais c'est pas grave. Ça fait juste bizarre. Enfin, c'était Tania. À la prochaine!